Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre aventure The Hero Banks Return. Alors, petit coup de rendu, on est à 18 âmes, mais bon, ça pour le moment on sait pas vraiment à quoi ça sert. On a plus de trucs, on a un peu plus d'informations et on fait encore plus mal sur les monstres. Voilà, ça par contre ça me plaît. Allez. Regarde les trois coups d'épée. Bon allez, on y va. Ah, tu m'as raté toi, hein? Bon, désolé pour la luminosité du premier et du deuxième. Alors, la combinaison avec ma mauvaise qualité plus, ça je vous le dis, hein, mais même moi j'ai du mal à voir. La combinaison de ça ainsi que de ma mauvaise qualité, de l'obscurité et tout. C'est assez mal. Bon, allez, on va balancer tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc, en fait, là, c'est carrément en fait à la suite de l'autre épisode. C'est juste que j'ai coupé entre deux. Alors, ça vire. Cette armure et tout. Bon, ça, c'est bien. Voilà. Ça vire. Ça vire. Les poudres à canon, on va les garder pour faire de la TNT. Un casque. Déjà. Régénération de vie. Les arcs pourris, ça dégage. Voilà, un arc carrément plus puissant, donc on peut virer tous les autres arcs. Voilà, vous virez tous. Et puis voilà, comme ça j'ai plein d'autres petites épées. Et je vais niquer tout le monde. Alors, faut pas que je tombe dans le trou, parce que sinon je vais encore mourir pour un que dalle. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une araignée. C'est censé faire quoi ça? Oh my god, nous avons des Slender. Mais sous la forme araignée, attention! Putain, et puis en plus ils apparaissent comme ça. Foutu screamer. Oh, je me fais shooter par qui, moi? Non, on va éviter d'aller par là, parce que là, je me suis déjà fait éclater pour que dalle. Alors, non, en plus, il faut que je bouffe. Allez. Bon, ça veut dire que je peux pas passer, donc je suis bien obligé d'aller dans cette mine. Et moi, j'ai pas du tout envie. Oh, des oeils d'araignée. Alors, je vois rien. Je vois que dalle. Je vois rien. Ah putain, il y a des zombies là. Ah merde. Putain mais. Bon, on va aller vers la lumière. Eh hey, merde, eh hey, mais. What the fuck? C'est quoi ces mecs là? Alors, c'est des zombies avec des têtes en forme de pierre qui se trimballent une pioche. Oh tiens, il y a un mec derrière. Bonjour! Comment ça va? Bon, ça c'est parce que comme ma version c'est une version craquée, à mon avis ça doit faire ça. Alors, bon, bah là je peux pas aller. Là il y a un coffre, mais je peux pas le prendre. Je veux prendre le coffre. Non? Bon bah tant pis. Bande de bâtards. Allez. Mais qu'est-ce que c'est là, petit? Mais à quoi peut-il servir? Ah, attendez, il y a un bouton là. Sont totalement inutiles. Ouais, mais bon, je suis censé faire quoi, moi? Je peux pas le crafter. Il se fout de ma gueule. Bon, bah, maintenant j'ai pété le bouton. Bon, bah, c'est super, je suis bloqué. Je peux ni péter la porte, ni je peux rien faire. Putain de merde. Et j'ai pas reçu le bouton. Bon bah super. Bon attendez, juste pour ça, je suis obligé de faire ça. Alors game mode 1, voilà. Je pète la porte. Game mode 2. Toi, je te casse ta gueule, mon jumeau.
Ah, qu'est-ce que ça fait de se faire bloquer, hein? Allez, meurs! Oh, cool! Un nugget, une pépite d'or. Allez, on va prendre une pioche, une torche, ça va nous être servi, nous être utile. Allez, on prend un peu les pioches parce que. Les pioches. On prend un peu les torches parce que sans déconner, on voit que dalle. Voilà. Donc voilà. Et c'est par là qu'il faut que j'aille. Ouais, c'est par là. Alors, c'est pas par là. Putain, je me suis bloqué. Ouais, mais je reçois rien. Attendez. Sans déconner, là, on voit que dalle. Alors, on va se prendre un stax. Voilà. Et on va mettre ça là. Comme ça, après. Ça, je fais ça. Ah, c'est bien ce que je dis. Je suis bloqué. Je peux pas remonter. Et c'est peut-être parce que c'est pas par là. Alors, où est-ce que je dois monter? Ah oui, il faut que je me remette en normal. Voilà. Ah bah voilà, c'est par là qu'il fallait aller. Voilà, non, mais c'est n'importe quoi. Je suis sorti d'un coin et je suis parti d'un autre. Bon. Voilà, donc maintenant on a de quoi mettre de la lumière un peu partout, comme ça on peut mieux voir. Allez, on va recoller un peu partout. Et je me suis fait shooter par un squelette, alors toi tu vas manger mon arc. Et deux. Voilà, crève. Bon, c'est bien là, on a de la lave, donc on voit mieux. Alors. Manque de lumière. Bon, bah, je peux pas en mettre. Eh mais toi tu veux pas mourir, toi tu veux pas mourir, alors toi tu vas. Bon bah t'es mort. En fait ce que j'avais envie c'était de le balancer dans la lave. Même si en fait il n'y en a pas. Mais en fait c'était aussi de le balancer dans le vide ou un truc comme ça. Bon bref. Alors. Voilà, un peu de lumière. Oh my god. Un combat épique. Alors, monsieur, vous allez sauter dans la lave, voilà, vous allez dans la lave. De toute façon, ça sert à rien, même si je l'ai shooté normalement, j'aurais pas le stuff. Voilà, j'aurais juste ça, et puis que dalle. Bon, allez, on monte. Allez, un nouveau squelette a éclaté. Bon, reviens ici. C'est bien que tu sois mis devant moi, parce que comme ça, moi, je peux t'avoir. Voilà, là, on est mieux, là. En même temps, j'avais pas pris le stuff, je l'avais pas vu. Voilà, là, on les éclate, là. Qu'est-ce que ça veut faire? Bon, ce serait bien aussi d'avoir une meilleure des meilleures armures, mais ou si je tombe, je meurs. En attendant, sans déconner, si la map elle est très très jolie, elle est très très bien faite. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Sans déconner, tout est bien fait. Bon, c'est dommage qu'on ait pas vu Herobrine au tout début, puis que j'ai du mal à traduire ce qu'ils disent, mais bon, c'est pas trop grave. Ok, donc. Ah, il faut que je regarde de temps en temps les quêtes. Alors. Alors. Bon, ça c'était le truc. Il fallait que je trouve le truc. Alors, Herobrine est complice d'une scientifique, Dinabonne, qu'Herobrine se garde dans son monde pour faire ses expériences. Détruisez ses créations avant qu'il soit trop tard. Ça, au moins, j'ai réussi à le traduire. Bon. Bon, toi, t'es trop loin, donc tu sautes. Ah, mais. Putain, au secours! Allez, tiens, putain! Je suis caché. Tu ne peux pas m'avoir. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bah merde, il est passé où? Bon bah ok. Non, il a disparu. Bon bah c'est bien. Alors attendez, faut que je régénère ma vie. Bon, on est à 49 âmes. Bon, on sait toujours pas à quoi ça sert. Oh, lui il est plus gros que les autres, lui. Et il est plus rapide.
on shoot d'abord celui-là et après on fait celui-là. Ouais, cool, il a lâché un truc. Suis beau comme ça, sans déconner. Bon, alors. Allez, on regarde comme je fais pour mes vidéos. Je suis bien beau comme ça avec toutes mes flèches dans la gueule. Ça fait bien le Gaïa qui va sauver tout le monde. Je suis venu pour détruire Herobrine. Mais sur le passage, je me suis pris quelques flèches dans la tronche. Oh my god, il a trop pris cher. Bon, là j'ai ma jauge de vie qui est en noir, je sais pas ce que c'est. Et puis je perds la vie quotidiennement. Je me fais pas taper par derrière. Oh, une épée, ça je prends. Alors je regarde, elle est incassable donc c'est pas la peine. Mais bon. Charbon s'en fout. C'est exactement la même, elle est juste plus usée. Mais comme elle est incassable, c'est pas grave. Oh, l'event shop. Ah non! C'est de la triche. Vous m'avez eu pendant que j'étais pas prêt. Ok, the sniper. Oh! Tiens, mais mange ma flèche. Tu veux faire quoi? Tu peux pas m'avoir, hein? Meurs, meurs. Achèvement! Voilà, qu'est-ce qu'il veut faire? Oh, cool! Un stuff, alors. Bon, bah, c'est pas grave, ça vient. Ah, mais c'est super. Bon, allez. L'event shop, à mon avis, je dois l'avoir débloqué. Ouh, j'ai failli tomber. Waouh, waouh, waouh. C'est bien fait, sans déconner. Ça, on dirait vraiment des nuages. Ou un truc comme ça. Alors, Blacksmith. Bon, bah, je peux même pas te parler. Je me suis bloqué. Ok, super. Ah, c'est bon. Alors. Contre des trucs comme ça, je peux avoir une épée. Une épée P2, un arc P2. Ah non, c'est des arcs, c'est P3, je me suis trompé. P3, P3. Bon, bah, c'est super, je peux rien me prendre. Oh, si, je peux me prendre des trucs, mais on va garder un peu quand même. Ok. Ensuite. Ah oui, ça c'est pour le truc. Alors, ça, on y met là et on prend la bouffe. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, on est go, on est go. Voilà, je fais ça. Et ensuite, là, j'en mets encore un peu plus. Alors, on éclate tout. Ah merde, j'aurais dû garder pour les autres trucs, les potions. Ah merde, quel con. Bah, de toute façon, là, au moins, comme ça, j'aurais de quoi bouffer. Ce livre-là, pour Order, on n'a plus besoin. J'ai deux livres, quête d'oeil. Ok, je peux te les changer? Non? Espèce de radin? Bah, vas-y, tiens, garde la monnaie. Non, j'ai quand même, je vais bien prendre. Voilà. Donc, allez, on va le mettre dans le coffre des limbes, là, celui qu'on a en trop. Pour regarder tout, qu'est-ce que ça fait? Ok, ça fait ça, et celui-là, il fait pareil. Bon, voilà, on va y foutre un peu tout. On va y foutre un peu toutes nos merdiers. Là, ça vire, ça vire, 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 vire. La tension, non, je rigole, il n'y a absolument rien du tout. On va garder notre nourriture, ça on va le garder. La potion, la régénération, bon, j'en ai déjà une. L'arc, qui sert à rien. L'épée, j'en ai déjà une. La flèche, faut que je la garde. Le canon, faut que je le garde. Les os, faut que je les garde. Ok, et puis tout ça, voilà, c'est beau, j'ai tout. Je le range un peu quand même. Ok, donc c'est bon. Après, qu'est-ce qu'il y a là? L'archangel, bon, 545, on est très très loin du compte. L'archangel, ah, ça c'est épée, l'autre c'est arc. Ok, là c'est les. Ah, là les chaussures. Là, helmet, je sais pas ce que c'est. Helmet, ah, chest plate. Ah, ok, d'accord. En fait, c'est tous les équipements, mais ça c'est les équipements les plus puissants. Bon, voilà, on a récupéré une petite épée. Pas de monstre. Allez. Bon, alors. Merde, vas-y, je sautais que 2 mètres et puis je me suis pris des dégâts. Oh my god.
Ah ouais, ah oui, elle est grosse en fait. Si jamais il me touche, j'ai une espèce de jauge noire là, je sais pas ce que c'est. Les pauvres, sans déconner, ils ont même pas le temps de m'atteindre. Ah oui, aussi, pour ceux qui voudraient avoir la map, bon, évidemment, je mettrai le lien dans la description. Et oh, sans déconner, comment je bug. Et aussi, à ce qui paraît, il y a un texture pack qui est conseillé. Mais bon, moi j'ai pas. J'ai essayé de le mettre exprès pour la vidéo, mais bah ça a pas marché, ça a bugué. Allez, il fait noir ici. Ou je bug, ou je bug. Wow. Ah non, c'est juste un nuage. C'est quoi ça? Quoi? Ah, c'est des cochons! Ok, d'accord, c'est vrai, on est dans le nether. Oh, à mon avis, ça c'est parce que comme il y a trop de trucs de création, PC il supporte pas. Putain, il y en a encore! Vas-y, il a spawné derrière moi aussi. Ah non, je vais mourir! Non! Ah, et puis je me retrouve au tout début, il faut que je remonte tout. Allez, oh là je dois sauter, ok. Là, voilà, putain. Ça c'est trop casse-couille ça. Ah, puis sans déconner ce nuage, j'ai l'impression que c'est un truc de bug ou un truc comme ça. Bon, on va prendre notre revanche. Espèce de screamer de merde, comment il m'a eu. Dinabon, allez, troisième boss, super. Bon, oh merde, non, j'ai pas toute ma vie, putain. Eh merde, ah, et en plus, on est bien dans un nuage, comme ça. Je sais pas. Mon expérimentation est prête. Ah ah, bon, ok, d'accord. Alors, moi, je te tire une flèche dans ta gueule et tu fermes ta gueule. Putain. Bonjour, les humains. Vous voulez voir mes dernières super créations? Qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, ah, putain, elle m'a empoisonné. Je vais vous présenter ma première création, le Dunking Skeleton. Qu'est-ce qu'un Dunking Skeleton? Ah, bah, c'est un squelette qui est assis, au moins comme ça. Et putain, je suis empoisonné, je comprends rien. Oh la gueule, il est un distributeur. Ah, mais non! Ah, je vais mourir. Non. Non. Non, je veux pas mourir. Régénère-toi, régénère-toi, régénère. Régénère. Oh là là, oh l'esquive. Putain de merde. Va crever. Moi aussi j'ai un arc. C'est ce qu'on appelle un epic fail. Bon allez, go 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 go. Esquive à droite, à gauche. On y va. Allez, go go, meurs. Non, régénération de vie. Putain, je suis mort. Dynamo a été tué par Dynamo qui utilisait de la magie. Et en plus, il y a l'autre trou du cul qui fait. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai eu? Une clé, super. Bon, allez, on y va. La clé, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Allez, je la mets là. Super, allez, une clé en plus qui rentre pas. Bon, allez, je vais me mettre dessus, puis je vais la rentrer. C'est bon. Quoi? Je pense que tu n'y arriveras pas. Putain, à mon envoi plein, au secours, j'ai des minuscules qui m'attaquent. J'ai des micro-nains qui m'attaquent. Je vois rien, je comprends absolument rien à ce qui m'arrive. En plus, ces micro-nains, ils vont à demi. Ils font pile la taille du nuage, du coup, je vois que dalle. Meurez tous. Vous allez tous mourir ou quoi? Bon, allez, meurs, toi. Eh merde, sale trou du cul, là. Ah, et puis, il est pas mort en plus, le petit nain, là. Voici, il est mort, c'est l'autre là qui m'attaque. Allez, putain. Eh, lui, il faut que je le coince dans un coin parce que là, il me fait trop mal. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Putain, c'est un micro-nain. Au secours, c'est lui le vrai truc. Super, le nuage, il s'en va. Allez, casse-toi, tu vas faire quoi? Putain, et en plus, faut il faut qu'il me touche. Oh non, je suis lent. Je suis exactement à la taille d'un. Et je peux pas non plus sauter. Ah non, c'est parce que c'est trop bas. Bon. Voilà. Tu as ruiné. Tu vas tout ruiner. Ma dernière création.
Le zombie truc machin, putain, mais c'est quoi cette tour Eiffel là? Je vous présente la tour Eiffel quand les zombies auront commencé l'invasion du monde. Exactement. Ah, puis aussi, je peux aussi shooter les. Non, putain, j'en ai deux, putain, non, 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 tu vires, cassez-vous. Ah, non, j'en ai marre. Et en plus, je spawn à côté d'eux. Allez, je shoot le super zombie là. Il m'a éclaté en trois coups. Voilà, mais meurs en plus, toi, au secours. Voilà, vous voulez faire quoi? Voilà. Voilà. Pff, oh là là. Pff, oh la galère. En plus, non seulement je lag. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Mes expérimentations, mes enfants, descends et je vais te faire face. Viens me revoir dans mon laboratoire, je t'y accueillerai. Ouais, sang, super. Alors, Archange Thanos, c'est pas l'autre micro truc là, c'est pas l'autre espèce de zombie mais qui a un visage qui m'attaque. Il dit qu'il veut m'aider mais en fait il m'attaque. Tu m'expliques la logique. Et voilà, et puis en plus c'est un truc qui me tue. Non mais je suis sûr que c'est l'autre là-bas là qui est en train de faire tout, qui les fait tous apparaître, faire changer le Thanos. Ah mais en fait c'est un zombie, c'est pour ça. Bon, j'espère juste qu'il va pas vouloir m'attaquer parce que j'ai des poudres à canon. Qu'est-ce que je dois faire avec cette poudre à canon? Là, il faut que je mette. Allez, j'en balance une. J'en balance une autre. Là aussi. Fous-moi la paix, toi. J'ai peur rien, c'était moche. Voilà, allez, on tire. Ah, mais non, mais meurs. Ah, mais non, mais. Je suis assailli par une bande de déformation de monstres. Tire. Non, 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 on n'est pas sur un bateau, mec. Toi, par contre, tu vas sauter, toi. Il faut que je charge les canons. Ok. Alors, ça, je mets ça là. Et là, je tire. Et là, je tire. Putain, et en plus, il y a. Ah, mais toi, tu veux sauter, mon gars. Tu vas sauter. Putain, merde. Non! J'en ai marre. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais cassez-vous! Cassez-vous! Quoi? Ah, mais non, mais meurs! J'aime pas quand il fait nuit, on voit que dalle. Alors. Canon numéro 1. Ah, mais c'est juste que je dois en mettre plusieurs! Allez, go! Allez, tu tires! Bon! Allez, go! Ouais, mais c'est bon, allez. Merde! Au secours! Cassez-vous! Moi, bon, on m'a surnommé le sniper d'élite. Le sniper qui sait pas tirer. En fait, je dois éclater les mecs là et puis je reçois des poudres à canon. Donc, en fait, il faut que j'en éclate plein plein. Et puis comme ça, après, je peux utiliser. Allez, le deuxième, il est prêt à faire feu! Bon! Allez, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi ces trucs là? C'est des squelettes desséchés avec des têtes d'obsidienne et qui t'éclatent en moins de deux. Cool, plein de canons. Allez, go, 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 go. On y balance dans cela. Encore, allez, go, tu tires. Po! Hey, il fout le feu partout. Ouh, il a failli m'avoir celui-là, hein? T'as essayé, mais tu n'as pas réussi. Putain, il y en a plein. Non, je m'excuse, j'ai pas tué votre copain, c'est pas moi, c'est. Mais vas-y, c'est pas moi! Non, mais demandez à l'autre machin là, pourquoi vous m'attaquez moi et pas l'autre là? C'est pas de ma faute si vous faites tirer dessus depuis tout à l'heure. Bon, allez, canon 4, go! Pouh! Gros shoot. Putain, et puis c'est bon. Est-ce qu'on l'a éclaté? Non?
Aller dans la cabine. Ok. Oh oui, de la poudre à canon. On va tous les niquer. Ouais, je croyais que j'en avais, mais bon, j'en ai plus maintenant. Aller dans la Tower of Terror. Ok. Cool. Allez, 110 âmes. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça aussi. Vie instantanée, c'est bien. Et ça, j'en ai déjà, mais je la prends quand même. Il est pas là l'autre machin là? Allez, on va dans l'Event Shop. Désolé, ça c'est une PC qui crache un peu. Bon allez, on y va en sprint. Trop de vitesse en moi. Bonjour. Si ça débug, allez. Non, ça c'est parce qu'il y a trop de. Le monde il est trop chargé pour mon PC sur ça. Alors, voilà, j'aimerais te parler, toi. Ce n'est pas possible? Je vais te taper donc. Bon, si ça continue comme ça, je vais peut-être arrêter. Bon, sur ce, je pense que je vais arrêter la vidéo puisque je bug un peu trop. Ouais, à mon avis, ouais. Bon. J'espère que malgré les défauts et tout, j'espère que cela t'aura plu. Abonne-toi, like, commente, partage. Salut!